Engagée dans la promotion de l'innovation et de la technologie en matière de l'agro-business, la 11e foire Adjafi, foire des jeunes entrepreneurs, bat son plein depuis le 24 août dernier sur l'aire de sport du lycée d'Aguenivé. Basée sur le thème « Agritech, une niche d'innovation des jeunes entrepreneurs au service du développement agricole », elle a été officiellement lancée ce 28 août 2023 par le ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'est une invitation que nous adressons aux jeunes diplômés, porteurs d'idées, qu'ils peuvent explorer et faire des recherches et proposer des innovations technologiques qui peuvent apporter une solution au secteur agricole en améliorant la production, la transformation, la distribution. Édition largement consacrée à la technologie et à l'agriculture, elle fait appel surtout aux jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, il s'agit pour nous non seulement de communiquer autour du thème, d'expliquer, de présenter nos produits et services, comment est-ce qu'on peut utiliser des applications innovantes, des capteurs, des drones et d'autres technologies numériques au service d'une agriculture plus sexy, plus attrayante, et comment est-ce que cette innovation-là peut contribuer à relever le niveau de notre économie nationale, d'attirer aussi le plus grand nombre de jeunes vers ce métier-là qui est en plein essor. Au programme de cette manifestation commerciale et festive, plusieurs activités aussi riches les unes que les autres. Dehors des activités traditionnelles d'exposition qui auront lieu comme d'habitude du 24 août au 10 septembre, nous avons initié pour cette édition la journée des communes. Une porte ouverte entre les communes du Togo et particulièrement celle d'Aguenivé et le secteur privé, les micro, petites et moyennes entreprises. En une journée, il y aura un panel, une communication, des activités culturelles. Nous avons également initié une table ronde des chefs de micro, petites et moyennes entreprises, en collaboration avec le groupement togolais des petites et moyennes entreprises, le réseau togolais pour la promotion de l'entrepreneuriat. L'après-midi, nous allons tenir un beau panel pour échanger sur les problématiques rencontrées par les jeunes entrepreneurs. Toute la population de Lomé et d'ailleurs sont attendues pour la découverte des différentes innovations des jeunes entrepreneurs togolais à travers les plus de 250 expositions prévues.